Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voilà l'yawm al-jumu'a, le jour du vendredi, le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est très important aujourd'hui, qui est un jour particulier puisque c'est un jour dans lequel tu jeûnes, donc le jour de Arafah, qui est le meilleur jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela bien sûr dans les meilleurs jours de l'année, puisque cela se passe fi Ashar ibn al-Hijjah, dans les 10 jours de al-Hijjah. En plus, comme tu sais, les ulama te disent que l'yawm al-jumu'a, يعني في عشر ذي الحجة, le jour du vendredi, pendant les 10 jours de ذي الحجة, أفضل من الجمعة في غيره. Cela est meilleur que tout autre vendredi. Mais pourquoi? Pour les bienfaits, que pour ces bienfaits que cela réunit, à savoir le fait que c'est un vendredi, le fait que يوم, يعني عرفة, le jour de عرفة tombe un vendredi. Et en plus, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que la meilleure خير الدعاء, يوم عرفة, le meilleur, la meilleure invocation et l'invocation du jour de Arafa. Et lui-même disait, خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِ. Et la meilleure chose que l'on a pu dire, il disait moi-même, ainsi que les prophètes, est la parole, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Cette parole, finalement, que l'on utilise aussi beaucoup dans les invocations du matin ou du soir, que l'on utilise dans la journée, pendant le pèlerinage et autres, ce sont des paroles qui renvoient automatiquement à l'une des choses et à un principe le plus important qui est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aussi le fait en ce jour béni, eh bien de renvoyer les choses à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas oublier ainsi les invocations de prier et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la droiture du cœur, de la langue et des membres. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.